Bonjour, bonjour et salut tout le monde qui cap coûté nous, que l'en diaspora, que l'en Haïti, et me salue nous-mêmes et qui bonne opportunité ça pour nous parler avec nous. Et c'est toujours un plaisir pour nous parler avec Voix de l'Amérique. Son plaisir pour nous parler avec vous tout, fois ça en Haïti et gagner des dénouements de l'actualité ou dans le centre de l'actualité, je vous dis. 7 février, qui s'est passé exactement? Gain l'air était war dans la cour Port-au-Prince, particulièrement précisément dans Pétionville. Et puis, il y a un incident qui arrivait. Nous allons expliquer nos beaucoup de ports qui s'arrivaient à Jean-Bessapio. 7 février, qui s'est passé dans la cour Pétionville? Bon, 7 février, même j'en ai toujours dit, les populations, on a appelé avec au Port-au-Prince pour nous manifester et pacifiquement, paisiblement, et pour nous demander des pas à Ariel Henry qui, depuis plus que 31 mois, va pas mettre un, hein, et insécurité tout partout, pays à pas vivre, va gagner l'école, pas grand un cap machine au pays, donc il était supposé faire 4 mois, il gagne 3 ans, donc nous devons le faire en marche pacifique pour nous demander et pour le retirer l'école et sous pouvoir, et bien Haïti en chance. Malheureusement, et forme de tout, et j'en dis et la présentation. Donc, on a rappelé qu'on a parlé avec Guy Philippe qui a un problème technique dans le moment. Tout le Donc, bagage fait, et l'argent. voilà. Donc, Guy, et. on a reprendre pour nous un petit peu. Nous avons un arrêt dans le signal là, il était freeze en quelque sorte. Reprenez un petit peu, ou avancez sur ta diapositive parce que nous n'avons pas de temps. Oui, m'a dit que 7 février, même, j'ai noté pour mettre peuple là. Nous sommes là, Port-au-Prince, et puisque nous sommes pour mettre nos tables là, nous sommes là pour nous accompagner Mounio dans un marche pacifique et pour nous demander des pas et Premier ministre de facto Ariel Henry. Tout le monde connaît que Ariel Henry était passé 4 mois et comme Premier ministre, s'il gagne autorité pour ça même, parce que nous même quoi que le président était en balle tout papier pour le déballe, pour le remplacer, bon, s'il prend Jean Brun là, normalement c'est 4 mois. Donc depuis 14 novembre 2021, Ariel Henry sont usurpateurs, ils sont volants pouvoir. Et qu'on y a là, plus que 31 mois. S'il t'a fait un bagage sérieux, peut-être peuple a été brésilien, le garder, côté de aller. Mais nous, ouais, tout le monde constate. Mal pas au prince, bon, c'est pas qui va être plein. Soit là, lui, soit grand, oui. Soit là, oui, soit Haïti. Capital la LED. Ariel Henry pas fait rien. Gang tout partout. Insécurité tout partout. Si mon bagage à l'école, rien pas fonctionné. Pas de travail. Misère tout partout. Kabouel, il parle pas pour Kabouel, n'a fait tout le monde. Donc, c'est dans le cadre de ça, nous avons fait des manifestations ça, pour nous demander départ Ariel Henry et permettre que Haïtiens prennent responsabilité Haïti dans la mer. Malheureusement, combattre Ariel Henry, ce n'est pas Ariel Henry seulement. Combattre Ariel Henry, pour faire n'importe qui ça, puis aucun statu quo, puis aucun système là. Donc, c'est dans le cadre de ça D'accord, que. mais Guy Oui. Philippe, d'après l'interrompt pour me dire que vous dites que c'était 7 février, c'était une manifestation pacifique pour demander départ pour le ministre Ariel Henry sous pouvoir. Mais nous étions dans la rue Port-au-Prince et à travers les vidéos qui ont circulé, peut-être pas forcément dans Port-au-Prince, mais de différents côtés et peut-être dans la capitale là, des hommes armés. Et c'était à Jean-Bessapio, ils étaient armés. Qui ont expliqué ça puisqu'ils ont parlé de manifestation pacifique pendant que des gens sont armés dans la rue hein? Premièrement, m'a dit que BESAP, c'est une organisation, c'est un bagage gouvernemental. Donc c'est le président Jovenel qui crée et dans la loi qui crée, il n'y a pas de zam. Est-ce qu'on cap dit la police nationale pour le zam? Est-ce qu'on cap dit la médaille pour le zam? C'est même gens ça, Bessapio, qui gagne attribution, yo, gagne droit zam. C'est la loi. Ce n'est pas moi, ni ou même, ni l'autre monde qui cap dit qui est-ce qui gagne droit, pas droit, sinon la loi. La loi claire sur ça. Donc agent Bessap qui était là et dans le cortège là, qui a assassiné, n'a pas dans la machine. N'est-ce que tu es paisible, n'est-ce pas dire quel côté que la vie en police était en danger, ou bien tu es posé un risque pour la société. N'est-ce que c'est canapé vert, nous avons descendu, nous avons sécurisé la population qui est dans la rue pour manifester, et manifester tout mécontentement. Ou bien un policier, ou bien un agent BESAP, ou bien un militaire, mais on soit haïtien. Et si on bagaille cap formal, ou bien droit manifester, ou bien droit dire, ça a formal, il faut que ça change. Nous avons dans le cadre de ça que l'agent BESAP est sorti pour aller faire position au passé. Très bien. Et Jean Bessapio, en quelque sorte, ils rejoignent Kozouan, ils rejoignent Revendication Port, ils rejoignent, ils alliés ensemble avec vous, il y a un mouvement révolution quoi pour nous. Ils rejoignent peuple haïtien. Ce n'est pas moi, ils rejoignent, ils étaient sous canal là, ils défendent Haïti. Les bagages sont bons, ils défendent. Même ils ont été campés pour canal là, pour le tout statu quo, tout système, ils étaient contre ça. Donc, 6 semaines, ils ont senti que revendication que nous-mêmes n'avons pas été rentrés dans le sang, ils ont campé, ils ont dit oui, il faut que le pays a changé.
Donc c'est citoyen, oui, il y a un droit, il y a une position politique sur un sujet bien, une position sur un sujet bien déterminé. Mais c'est le fait est certain que nèg yo assassiné au équipe moun qui pas poser aucun danger, qui pas agressif, qui était en dans machine yo, d'ailleurs tellement pas sous mode bataille, sous combat, il était plus que 13 en non seul pick-up, donc nèg yo pas sous bataille. Que moun ba vin ba excuse faut excuse, nèg yo assassiné au équipe innocent et pour pour voir un message à la population. N'est-ce pas que c'est plus un message que vous voulez voir la population. Et le gouvernement qui planifie tout ça, il a pensé que c'était dans la machine. Et quoi qui planifie, c'est chef sécurité premier ministre, Patrick Dorméville, Bonfrère, Tibouchon, c'est commissaire Barison, c'est DCPA et Franz Mathurin, c'est magistrat Pétionville là, c'est Mounsao. Avec ancien chef sécurité PM, Laurent Lamotte, c'est Mounsao qui était dans planifier et financer chaque fête et 7 février. Tout le monde connaît son bagage, tout le monde connaît et gain témoin, gain monde qui cap témoigner. Donc c'est ça, c'est le gouvernement qui décide assassiner monde pour un message clair pour dire mais ça ne prêt pour nous faire. Et pour faire le plus mal, yo prend nèg yo, yo lagué au non trou dans fosse. Est-ce que c'est sérieux? Femme yo pas même cabouè yo, yo prend yo tout enterré yo avec tout uniforme yo. Donc son message que gouvernement sadique, gouvernement criminel ça voye bay tout ton peuple. M'a tout profiter mon peuple haïtien. Pas démobiliser. En quête de mobilisation, on continue. En bataille, en ouais, si nous avons déboulonné. Et nous avons déboulonné. Système ça. Non seulement Ariel Henry, mais tout le monde qui a battu Ariel Henry, il faut qu'ils comprennent que Haïti n'a pas fait back. Nous avons continué la mobilisation, nous avons avancé jusqu'à ce que Ariel Henry allait. Il n'y a pas de régénérer le système. Nan. Pas de monde qui a retiré Ariel, vin mettre l'autre monde système encore pour continuer à craser Haïti. Ça n'a pas fait. Non, maintenant, Kounia Mamando, qui prochaine étape, 7 février, est-ce qu'on considère que 7 février, c'était un échec? C'est un monde qui dit que bon, ça peut arriver fait, ça que tu es supposé fait là, révolution, et bien, départ à Ariel Henry, il y a encore sous pouvoir. Et avant, on répond à une question ça, qui est impression, qui feedback, ou les réactions, du moins, de discours ça, que le Premier ministre Ariel Henry fait, côté que lui-même, il parle clairement, il dit clairement, et haut et fort que lui-même, il peut aller. Après l'élection, en fait, l'organiser l'élection, il va passer en phase conseil électoral pour qu'il fasse l'élection dans le pays. Réaction. Vous trouvez son jouet, il y a 31 mois, il va me faire un conseil électoral. Quand il y a le jour, on transition, on va remplacer votre transition. Bon, quand il y a une autorité, ça, non, mais qu'on est sur qui base légale de camper pour l'abdi, tout ça l'abdi à la. Qui est-ce qui fait le Premier ministre? Où est son tweet en ambassade, en ambassade de voyer? Quand vous voyez, dit le Premier ministre. Donc Ariel Henry Kounia c'est lui qui a décidé qu'il a mandat fini et même lui-même qui a créé conditions pour élection qu'a fait c'est lui qui a créé conditions pour élection pas jamais fait mettez gang tout partout armé moun tout partout prend l'argent l'état voler l'argent l'état pour financer assassinat donc nèg ça qui créé environnement ça Kounia c'est lui-même encore qui a dit c'est l'élection faite l'autre monde vini pour nèg ça pas jamais quitter l'élection faite. Puisque c'est lui qui contrôle toute gang, c'est lui qui contrôle toutes les autres qui ont fait dans le pays, c'est lui qui a amené les jeunes garçons, c'est lui qui a financé tout le bagaille. Donc, est-ce qu'un pays qui a sous compte, un irresponsable comme ça, un criminel comme ça? Donc, de toute façon, lui qui a balé, lui qui a dit ça. Mais le peuple là, c'est pour nous continuer avec mobilisation. Nous. Diaspora, population Haïti qui a vivé en Haïti, a compté en pile sur nous. Pieds nous marrés, pieds nous liés. Mais nous-mêmes, nous avons aidé. Les gens qui combattent, nous avons aidé dans la bataille. Donc, tant que vous plaît, tout Haïtien, pas découragé. Prends courage. Bataille la longue. D'abord, si j'en pile longue que dépenser. Parce que criminel, il prêt pour faire toute bagaille. Pour protéger pouvoir. Pour protéger statu quo. Pour protéger système, non? Nous, même si avec même détermination, ça seulement, nous cap déraciner système, ça. Et qui prochaine étape là, puisque on a bataille ou renouveler encore ou lancer appel là pour moun mobiliser et réaliser alors permettez-moi de faire remarque ça ou dit mobilisation, pas parler de révolution. Par contre, si on différence, mais qui prochaine étape là? Prochaine étape là, il commence déjà, nous-mêmes nous avons parlé entre nous et moun qui n'a qui prend décision et pour bagaille révolution, j'en dis à et révolution va camper, révolution va continuer. Haïti pas un problème élection seulement, un problème base structure l'état pas bon. Faut que nous changer structure l'état et ça son révolution. Moi m'a un message clair by secteur international là qui a protégé des autres qui a fait là, secteur international là qui financer et protéger assassinat agent Bessapio. Oui, il y a là dedans. Oui, que pas venir faire hypocrisie hypocrite pour proposer démocratie. Tout le monde connaît, tout le monde ouais, tout le monde comprend. Intention yo c'était assassiner parce que yo t'ai toute information que me dit dans la machine ça. Mais heureusement, bon Dieu épargne la vie. Malheureusement, nous perdons un paquet de nègres, un paquet de monde important, un paquet de monde sérieux qui est en Haïti.
n'a pas dit, moun kap essaye par tous les moyens pour empêcher une révolution pacifique faite dans le pays, c'est eux même kap responsable que une révolution violente vienne faite. Parlant de l'international là, ou encore une fois accusé international là, qui a supporté, qui a justement supporté l'assassinat, ça qu'on dit qui était fait le jour 7 février. À nous parler avec chargé d'affaires, lui-même, chargé d'affaires et département d'État en Haïti, ambassadeur Eric Strohmayer, ouais, qui prend des positions. Et ou sous la voix d'Amérique, c'est un channel côté que vous branchez, vous regardez, vous suivez. Qui message vous avez gagné pour, par exemple, pour ambassadeur Eric Strohmayer et communauté internationale là, en général? Bon, moi, c'est que ambassadeur ça, si t'es un pays sérieux, je suis supposé retirer dans le pays. Mais il y a un pile bagage international, convention de Genève, de Vienne, bah, il y a un pile bagage qui dit, mais qui sont diplomates qui ont fait dans le pays, mais qui sale qui a dit, mais qui ça dit, il n'y a pas rentrer dans la question politique en pays. Mais diplomate ça lui-même, il décide de faire n'importe déclaration que le veut. Lui-même prend pense que son proconsul lié en Haïti, et il pensait que tout le monde a supposé boire ça la bière. D'ailleurs, il m'a demandé pour qui raison le pas ambassadeur encore? Pour qui raison quitter côté le DEA là? Qui s'est passé? Et pour qui raison actuellement, je pense qu'il va même en Haïti encore, lui transférer? Ça l'était fait. Ça l'était arrivé. Donc, je pense que, j'étais habitué tout le temps, quelques ambassadeurs, surtout gros pays, puis il a entré bouché dans le bagage Haïti. Mais ça a suspendu. Ça a fini, ça doit finir. Il est le temps pour Haïtiens prendre contrôle Haïti. C'est ça qui fait que le gouvernement, le gouvernement, mettez ensemble pour financer l'assassinat moi-même, Guy Philippe. Oui, il a comploté. Il a fait ça au cap fait pour assassiner. Mais moi, je dis, c'est jouer à jouer. C'est rincer à rincer. Mobilisation a continué. Révolution a continué. Et Haïti a changé. Et pendant qu'on va parler de l'international là, vous faites des accusations, hein, son accusation, ou accusé international là, ambassadeur, bon, on va dire qui paye exactement, mais ou accusé, et des membres de la communauté internationale qui voulaient assassiner. Pendant que vous avez perception que Guy Philippe gagne ou main internationale d'elle, et perception ça, elle est tombée là, dans un moment, vous pensez? Donc c'est même perception ça, que Guy Philippe tellement gagne blanc d'elle, il a kidnappé pendant le sénateur. Il veut faire tout le temps ça, et illégalement, il a mis le nom en prison. Donc c'est même blanc avec Guy Philippe qui avait qui manquait assassiner Guy Philippe. Donc bah ça y a pas même courir, pas même besoin parler de ça. Tout le monde connaît, faut que monde parler, faut que monde rentrer, faut que monde voyer monter. Quitter ou voyer monter. Mais en fait est certain, pas qu'un haïtien qui saute assez pour comprendre que si Ariel Henry là toujours a fait des ordres que l'a fait toujours, c'est parce que corps groupe là campé d'elle. C'est parce que corps groupe là a financé, corps groupe là a supporté et corps groupe là responsable autant que Ariel Henry a criminel lio pour tout sang cap couler en Haïti. Sans cap couler dans côté gang à faire et ça vous voulez faire, kidnapper, violer, faire tout bagaille, sans cap couler le gouvernement lui-même tout. Non seulement la volé tout ça l'état gagné, mais cap financer assassinat, cap faire assassinat politique. C'est pour ça que ça se passe là. Est-ce qu'il y a des monde qui j'aime parler de assassinat 5 agents Bissapio, vraiment vrai dans l'international là? Ou après, vous j'aime mentionner parce que vous connaissez que c'est vous responsable. C'est ça lié. Ariel Henry pas rien pour faire tout ça l'affaire. Si international là-bas d'elle. Très bien. Guy Philippe Talley, ou te parlé, ou dit que les mandos qui prochaine étape là, évidemment, ou dit que ou a fait des concertations, ou a parlé avec l'autre, peut-être allié ou l'autre compatriote, camarade qui sont censés dans même lutte ensemble avec vous. Est-ce que vous alliance, et d'accord, peut-être pour le moment, ou bien dans le futur, avec l'autre parti, l'autre monde, l'autre leader politique, nous te voyons sous béton toujours manifestation 7 février, notamment, et Petit Dessalines, et ensemble avec. Claude Joseph m'a parlé donc de ancien sénateur Moïse Jean-Charles et Claude Joseph. Gagné une alliance ou parler à Mounsayo, nous ensemble, est-ce qu'on a même bataille ensemble avec nous, nous dans le même camp en quelque sorte? Personnellement, moi avec le sénateur Moïse Jean-Charles, nous parlons. Nous parlons souvent, nous parlons plusieurs fois. Et équipe politique, nous, équipe qui a organisé, qui là, qui des révolutions, que ce soit dans l'international ou et monde qui vit en Haïti, et nous connaissons, nous avons un mandat pour parler avec tout secteur. Tout parti politique pour nous comment nous capvenons une solution à l'haïtienne pour nous sauver Haïti cette fois pour tout pour les mouvements peuple en connaît même même j'ai fait en 1986 même j'ai fait en 2004 même j'ai fait en 1806 tout temps je derrière prend et voler mouvement peuple la semaine ça c'est pour nous mettre tête nous ensemble c'est pour nous mettre division derrière pour nous avancer non seulement intérêt peuple haïtien pour nous retirer Haïti on fait pour tout en salier là bah yo pas capable continuer comme ça ti moun a mouri grand goût grand moun a codé en bas la misère ti moun pas à l'école pas gain soin de santé pour femme pas gain soin de santé pour aucun monde en Haïti pas gain travail jeune nous désespérés
tout cerveau nous a quitté pays là, il y a le Chili, il y a le Brésil, il y a le Saint-Domingue, il y a les États-Unis, il y a la France, il y a le Canada, tout le monde a quitté. Qui ça qui Haïti nous va gagner? Qui ça n'a quitté pour petite nous? Qui ça n'a quitté pour petite nous? Nous quand nous arrivons dans temps et peuple haïtien montrer le sous ça. Peuple haïtien montrer le déterminé. Et ça comme dit nous-mêmes, on continue, on lutte, on bataille et on sauver Haïti cette fois-ci. Peut-être en pile innocent a tombé, tant que Jean-Pierre innocent ça a tombé 7 février. Peut-être n'importe quand nous a tombé, mais faut que bataille là pas jamais camper, faut qu'il continue pour bien Haïti. On bataille qu'on a mené avec des alliés, on mentionné que on pour parler c'est évidemment camp politique ou a parlé avec l'ancien sénateur Moïse Jean-Charles mais et Claude Joseph n'ont pas contact avec lui, n'ont pas gagné alliance avec Claude Joseph lui-même. Oui, il y a un mandat pour contacter l'ancien premier ministre Claude Joseph, pour contacter en pile l'autre regroupement politique et parti politique. Donc, je pense que jeudi, encore, il y a un pourparler, il y a parlé, et m'espérer qu'il y a une solution haïtienne. Pas de aucun bagage que blanc encore, groupe pour venir faire un dictat, à venir dire qui est-ce qui dirige Haïti, mais qui est-ce qui dirige Haïti. Si vous avez aidé, vous avez aidé déjà. Si vous avez sorti dans la misère, vous avez sorti dans la misère déjà. Donc, nous comptons sur le peuple haïtien pour comprendre. C'est nous haïtiens. Seulement qui a sauvé Haïti. Nous besoin support international là. Mais c'est pas eux qui a décidé qui ça nous besoin. N'a parlé avec eux, en ami. Et si vous voulez aider, aidez. Mais pas dictat. Mbalmando, évidemment, objectif là, avant de venir sur objectif là, mais qui sont faits quand même de communauté internationale là qui accompagnait et qui a regardé de loin et acteurs qui sont place en Haïti, yo, différents partis politiques, leaders qui chita au bon table, qui a pensé joindre un accord finalement. C'est vrai, il y a 2 ans à chercher un accord là, mais toujours chita, il a pensé ouais, qui sont capables de sortir nos crises, qui sont faits de tout accord ça, de tout chita parler ça, qui peut-être t'as qu'à déboucher son bagage. Qui est sérieux qui a dit mon gars, un accord avec Ariel Henry? Qui est sérieux pour dire mon chita bon table avec Ariel Henry, qui est mon pays depuis 31 mois dans Salia là, pour penser qu'il y a un accord pour Ariel Henry être sous pouvoir? Pour qu'on partage un pouvoir. Pour qu'on vienne prendre un petit bout dans le gâteau. Semaine ça, on va prendre un petit bout dans le gâteau. Semaine ça, c'est pour nous dire blanc, ok, ou bien 2 ans, on va essayer de ne pas joindre. Quittez nous-mêmes haïtiens, nous joignons. On a présenté la communauté nationale et internationale. Et après, bonne foi, nous. Il y a bonne foi, tout acteur haïtien, et nous avons une solution pour Haïti. Mais est-ce que seule solution blanc pense que bon? Est-ce que seule solution internationale pense que bon? Faut que c'est lui-même qui dicte. Il y a dicté depuis plus qu'un siècle. Depuis après assassinat président Lecomte, il a dicté nous mot à mot ça pour nous faire. Yo ouais qui Jean-Pierre a tombé. Yo ouais Jean a échoué. Yo ouais si nous là aujourd'hui c'est à cause de yo. C'est yo qui met premier ministre, c'est yo qui met chef police, c'est yo qui met ministre justice, c'est yo qui contrôle pays là. Garde dans qui est à pays là. Mais on y va pays en chance. C'est ça me dit cap dire. Quitter haïtien, joindre nos solutions. N'a présenté tout le monde ni. Communauté haïtienne a besoin que la diaspora que l'Haïti l'a besoin solution et ça nous présenter ça nous proposer yo même tout dans international là y a pour elle mais seulement ça m'a dit yo c'est pas pour dicter y a pas aucune qualité morale jodi a pour dire Haïti mais qui monde qui vous dirige yo fait trop longtemps et ça va marcher. Très bien, venons à qui sont même moi proposé. Qui ça, qui objectif là? Qui objectif final sur les révolutions? Manifestation ça yo, prise de position ça yo, mandé Ariel Henry. Et après Ariel Henry, on nous dit ou abouti à ce que tu avais faire. Et Ariel Henry, allez, premier ministre Ariel Henry, allez, quatre figures, un exemple. Qui ça qui a passé après, qui, dans qui ça pays a tombé? Qui sont proposés ou même? Moi, je dis grand plan. Grand plan, nous-mêmes, nous gagnons dans la révolution. Mais semaine ça, nous avons pour parler avec plusieurs autres entités. Et par respect pour vous, il faut quitter toute discussion au fin fait. Et pour nous, qui j'en ai qui s'en cap d'accord, qui s'en pas cap d'accord, pour nous présenter le bail nation. Bon, et parole moi, quand il finit, et m'espère que la fini jeudi ou bien demain, ma foi qu'on est plus ou moins, mais qui plan que nous été avec. Mais nous avons un plan, bon plan qui est basé sur voie endogène de développement. Et ça veut dire pour Haïti fait tout ça le cap fait, pour mettre toute richesse, tout ça le gain, pour nous essayer, ouais, comment le cap fait Haïti joindre souveraineté économique li, pour Haïti rejoindre souveraineté politique li, et pour nous permettre que Haïtiens vivent tant que monde avec dignité, pour Haïti pas obligé à quitter pays, pour moun kap vivre en Haïti, pour kap kap garder n'importe moun nanje, n'importe l'autre nation nanje pour dire oui, nous c'est Haïtiens, et me fier de ça. Donc c'est sous base ça, nous même nous te fait et programme nous qui c'est base et la voie endogène de développement comme base qui capotille Haïti dans sa lia là, craser système qui là, changer système, dit craser, pas avec violence, changer système, non? Et donc, c'est tout ça, tout le monde y a travaillé là, et bientôt, on a présenté le bail nation.
Donc un plan qui évidemment inclut Guy Philippe. Guy Philippe à la tête plan ça comme président, comme chef transition, l'autre transition encore, c'est ça, ça y est. Qui peut-être spécifiquement peut-être position pour ou même dans le plan ça, qui ça le taille exactement. C'est ça qui fait nous dit que n'a parlé avec toute l'autre organisation. Donc si vous parlez et vous dites OK, mais j'ai mais qui condition m'a négocier seulement sinon m'a pas négocier qu'on pas sur négociation. Lors entre son table négociation, faut tout le monde prêt pour faire concession. Et pour pays, pour la République, nous croyons que tout le monde a obligé de blier Goyo, blier Tetio, pour nous voir comment nous avons tiré Haïti dans sa lia. Ok, un plan que vous avez concerté, vous avez préparé avec l'autre parti politique, l'autre parti concerné qui est souterrain. Et parmi vous, vous avez cité quelques, si vous êtes capable? J'aime dire que le peu public, je ne suis pas capable de faire. Seul ça, je suis dire que moi-même, avec, je parle avec le sénateur Moïse Jean-Charles, et je vais l'autre mon autorisation, commission autorisation, par là, tout l'autre parti politique, pour nous voir comment nous font une proposition sérieux à peuple haïtien et à la communauté internationale. Très bien. Maintenant, Guy Philippe, il semblerait que force multinationale, à savoir les MMS, là, qui certainement joint bénédiction Nations Unies, qui promote joint support aux États-Unis, ta nan route pour venir implémenter le programme en Haïti. Position en un moment là face à force ça qui a pris à la tête du pays Kenya. M'entendez-le tout, mais en attendant, qui paye sérieux pour dire la justice paye, il prend décision pour président, comme président de la République, il dit, il va même entendre ça, la justice a dit, il va continuer à faire. Donc ça déjà bon, ça déjà fort, ouais, nature force qu'il y a dans le pays. Ça déjà montre qui j'en pour, ouais, moun ça qu'il y a dans le pays. Moun qui va même respecter la justice la caille. Donc, je pense que tout le monde, ka ouais, ça lié. Et si ça a force à t'arriver en Haïti, à nous dire semaine prochaine ou bien en fin mois, qui j'en pense que ça a changé, donné, et peut-être même proposition ça qu'on fait à pays à là avec révolution qu'on voulait faire. Si ça a force à t'arriver. L'on a regardé, force ça a été au Congo, où est-ce que ça a passé? Tout côté au passé, même la caillou, où est comment le peuple a parlé, où est tout crime a fait, où est qui j'en traité propre peuple. Ou est-ce qu'ils ont été traités mon au Congo? Dans tout pays côté force kenyan ça a passé, ou est brutalité, ils ont toujours mis sous place. Et Haïti plus bon. Et bah, moi, je dis non. C'est mon international la cap dit lui. Haïti plus bon. Force Haïti plus bon que ça. Donc, ou kaboué. Qui ça est capitaine peuple haïtien. Donc, moi, j'espère que, rapidement, on a pu venir en entente. On a fait une proposition. Et qui cap aider nous retirer la République. Dans tout que l'IA et dans tout que ils voulaient mettre là. En attendant, ils sont clairs là. Pour nous, qui quantité d'armes police nationale gagne? Pour nous, qui quantité de force gagne? Si tu as une volonté politique, ensemble avec l'armée d'Haïti, BESAP, police nationale, m'bon garantie, pas même gagne sécurité dans le pays. Donc, si vous avez la nexe, vous avez une bagarre en sécurité pour faire blanc ou entrer, ou bien pour faire force kenyan entrer, c'est pour venir protéger statut quo, c'est pour venir protéger intérêt, c'est pour venir continuer à faire des autres dans le pays. C'est pas rien sérieux d'ailleurs, combien de missions nous, les Nations Unies, nous gagnent dans les derniers 30 ans qui passent là? Plusieurs. Qui ça a jamais fait? Dis-moi, on bagaille sérieux au fait qui contribue à développement durable de pays. Rien. Et ça, pas le différent. Très bien. Mais ou même, Guy Philippe, ou même avec proposition de révolution, ça, quoi, évidemment, travaille sous lui, ou pas avancé, ou gagne une force armée ensemble avec vous, ou gagne quand même des agents armés avec vous, ou gagne des âmes, ou gagne des gens qui ont même tout pour implémenter révolution, ça, yon armé. Est-ce que c'est correct pour nous dire ça? Non, il pas correct, il n'y a aucune force armée avec moi. Ce n'est pas mon commandant de police nationale, je commandant de l'armée d'Haïti, je pas commandant de BESAP. Moi, je suis un haïtien qui a parlé, qui a parlé de révolution, qui invite toute force vive nation pour aider la population, qui accompagne la population pour mener nous vers une transition pacifique côté n'a pas changé la structure de l'État qui a crasé, qui a sous ces pays depuis trop longtemps. Très bien, permettez-moi justement, bonne opportunité de répondre à une perception et peut-être des gens qui peut-être a regardé de loin et de près, qui peut-être pour comprendre ce qu'on fait, qui a critiqué, qui dit, mais pour qui ça, Guy Philippe lui-même, pas virer énergie ça, énergie révolution ça, vers problème insécurité pays. Essayer quoi paix et insécurité à qui justement, et gagner bandit là-dedans, gagner qui ont même armé jusqu'au dents, qui a vraiment terrorisé la population. Pour ça, Guy Philippe, c'est pas ça, lié, c'est réglé. Premièrement, pour régler le problème insécurité, faut qu'on ait autorité dans l'État. Est-ce que c'est responsable police nationale? Est-ce que c'est responsable justice pays et sécurité pays? Est-ce que c'est premier ministre? Est-ce que c'est commandant chef de l'armée d'Haïti? Est-ce que c'est commandant et BESAP? Avec qui ça? À qui fait? Le jour que je m'arrête à conseil de nègres et je commence à aider résoudre problème,
sécurité, si m'ta vinn des amis qui prêt pour faire la même, yo même encore pral dire c'est terroriste noyé. Yo même encore si gon seul monde qui d'amour, yo va dire Philippe vinn tuer innocent, Guy Philippe vinn assassiner peuple là. Qui ça yo vle même? Sans pouvoir politique, sans volonté politique, problème n'a pas besoin qu'à résoudre. Et si nous résoudons sans lui, qu'on est son révolution pour aller en pile sans là-dedans. Est-ce que c'est ça, ouvrez? Moi, je ne sais pas quoi que c'est ça, pays a besoin. Je pense que c'est dans la paix pour nous faire révolution, ça. Je pense que nous cap faire, si nous voulons faire. Nous espérons que la communauté internationale comprenne que ça l'a fait Haïti n'a pas bon pour le suspendre. Parce que c'est lui, premier responsable là. C'est pas Ariel Henry, premier responsable là. C'est la communauté internationale qui supporte là, qui soutient là, qui encourage là, dans toute démarche, démon qu'elle a fait et dans le pays. Donc c'est ça, je vais répondre à mon ça. Jusqu'à présent, Guy Philippe, l'information qui a circulé, que nous joignons tout, communauté internationale là, y compris le Premier ministre Ariel Henry, gouvernement qui sous place, il a supporté, il a prêté côté OIA, et bien Ariel Henry ne font pas jusqu'à ce que l'arrivée organise l'élection. Donc face avec. Information ça qu'on gagne tout état de fait ça qui côté révolution mouvement là pour aller et qui sont au même moi faire à ce moment-là en fin de compte ça dépend de population si nous être mobilisés si nous bataille pour ça changer l'a changer comme international depuis temps qu'on prend décision yo te dit c'est esclave vous ne rester pour toute reste vie nous yo te dit c'est tant pour bête pour traiter pour toute reste vie nous nous même comme peuple nous pas décider nous dit non ça va fait ça va faire dans le monde côté nous craser la traite côté nous craser l'esclavage. Valère le en Haïti, yo supporte dictateur moun yo bagay. Peuple haïtien pa konn kanpe, il dit non, bagay ça va changer. Ça fait dans tout en pile l'autre pays dans l'hémisphère ça. Donc pour qui ça pour le fait? Mais en Afrique l'a fait. En pile changement a fait en Haïti, si peuple a voulu le fait. Mais encore une fois, il demande sacrifice, il demande pour nous croire dans sa faire, il demande détermination, il demande stratégie. Donc c'est pour ça moi dit oui, changement a fait. Même là yo pa vle, même là a fait toute magouille yo fait statu quo camper avec toute l'argent toute force sur toute cob yo prendre corruption y a fait y a met toutes amis dehors mais si peuple là lui même nous camper red si diaspora camper red si haïtien camper ici nous camper red n'a pas changé bail là très bien donc par mobilisation mettez monde dans la rue foule en masse capable peut-être forcer international à forcer pour le ministre Ariel Henry aller c'est peut-être scénario ça qu'on présente nous c'est pas scénario même genre alors ça rappelait nous peut-être 2004 c'est pas même scénario à côté que eh ben Guy Philippe a pas avancé sous Port-au-Prince et puis finalement et ça qui vient arriver c'est pas la même chose scénario différent je dis à et bah, là, en 2004 vas-y. En 2004, on va promettre une révolution pacifique. En 2024, on dit son révolution pacifique. Depuis la première fois, on parle de révolution, que ce soit dans Jérémy, dans Anzeno, dans Tigouave, dans Wanamet, dans Gonaïve, tout côté, on allé me camper, me parler, on dit son révolution pacifique. On va connaître qui ça, on ne va pas comprendre dans le pacifique là. Très bien. Il est très clair dans ce moment-là. Moi, c'est aussi clair qu'on est capable. Dili, révolution pacifique. Guy Philippe, ou pas au prince, à ce moment-là, une vidéo qui t'a circulé sur tout réseau, côté Ottawa, dans Pétionville, sous place Pétionville, ou à Baymoun, dans la mer, où t'es un accueil très chaleureux de population. Hein? Et c'est sûr que stratégiquement, peut-être, ou pas répondre à une question. Mais où t'es vraiment Pétionville, là, ça? Il y a des gens qui disent son vidéo que t'es faite la veille ou bien quelques jours avant. Et dans le moment, qui côtoie Guy Philippe? Eh bien, s'il est fait la veille, ça veut dire la veille, il n'est pas au prince. Donc, je me déplace Boye, je me déplace Saint-Pierre, bien sûr que je me déplace Boye, je me déplace Saint-Pierre, et tout le monde est au DOM, salue plusieurs chauffeurs moto, plusieurs monde qui est sous place. Oui, bon d'ailleurs, soit le gouvernement fait toute bagaille que le fait là, pour l'assassiner tout innocent ça, c'est parce que je connais là, et je suis déterminé pour mal dans la manifestation peuple là, j'aime de vous mettre là, sous canapé, je vais me commencer, et vous me dans l'autre côté. Et c'est ça que fait. Que criminel en dans primature, criminel quand ça avec le Premier ministre Ariel Henry, joignent l'argent, yo financé et yo assassiné innocent. Et là, on retourne un petit cas sous ça. Ou t'as le là, ou t'es cité des noms. Ou cité, ou nommément dit, mais qui moun, d'après ou qui fait Zach ça. On a parlé de Joseph Février, côté que des agents BESAP qui assassiné par la police nationale là, c'est ça. C'est ça qu'on insinue là. Et qui soit comme indice, qui soit dit que c'est moun ça, si vous voulez citer un nom moun ça, pour qui ça c'est moun ça? Moi, dit, dans la révolution. Dans la révolution, service intelligence, pas nous, nous connaissons, nous jouons et nous jouons information qui est sûre, mais qui moun qui fait, mais qui moun qui t'a planifié, mais qui moun qui pote l'argent, mais qui moun qui baille l'autre assassiné, monsieur. Donc, non, moi, boyo, c'est ça, oui. On met quoi dans samedi là, et me camper derrière samedi là. C'est yo, bon assassin. D'accord, on allait encore une fois, parce que dans une année, moi, peut-être songer, non. Patrick Dorméville ou accusé de non, non. Moi, je dis, yo, yo là, yo sous record, ou à venir. Donc, excusez-moi,
m'obliger à aller parce que sécurité me dit certainement. Bano, nous comprenons, nous respectons ça. Dernier message, peut-être n'a pas opportunité, second message pour lancer pour avant aller. Le dernier message avant révolution à continuer. Dernier message à ma petite peuple, pas décourager, rete mobiliser, en continuer. N'a privé. Ou de l'antijan long, nous gen gwen ennemi devant nous. 220 ans depuis y a crasé, y a tué nous, y a soucé nous. Mais nous même les long non, nous ka brouer ti lumière dans tunnel là. Nous pral jwenn ti lumière et n'a jwenn lumière. Haïti a sorti dans sa lia. Kebe la, haïtien dans diaspora yo, merci en pile pour tout support nous. Haïtien en Haïti, merci en pile pour toute force, nou, tout courage, toute détermination nous. Nous obligé continuer, en continuer pour Haïti. Merci. Guy Philippe, merci en pile. D'avoir David Gabjon, gros merci. Merci. Donc encore une fois, on a rappelé que Guy Philippe saute parler ensemble avec nous.